Eh bien salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure colossale. Bien évidemment nous sommes sur Shadow of the Colossus et nous en sommes à l'épisode 2. L'épisode 1 a été très bien accueilli, un grand merci à tous. La série que je vous avais parlé, parce que je vous avais teasé une autre série qui arrivait en parallèle, aura deux petits jours de retard, c'est-à-dire qu'elle arrive entre l'épisode 2 et l'épisode 3, mais qu'à cela ne tienne, comme dirait, tant qu'elle arrive, c'est le principal. Évidemment, je vous conseille à tous de mettre des écouteurs ou un casque pour être plongé un peu plus dans le jeu. Et on est parti pour la suite de nos aventures. Eh bien, nous sommes partis, les amis. Vous avez vu le résumé, on a donc vaincu le premier colosse qui est tombé assez facilement, évidemment. C'était le premier, les amis, il servait plus de tuto. Et là, c'est direction le deuxième colosse qui se cache apparemment dans une grotte marine. On va l'affronter de ce pas. Et vous étiez nombreux à me conseiller de littéralement fermer ma gueule pendant les cinématiques, histoire que vous puissiez profiter, bien évidemment, des voix, du doublage et de l'immersion, être plus en immersion dans le jeu, ce que je comprends parfaitement, je vais le faire. N'oubliez pas néanmoins que certains ont du mal à lire. Qu'il en soit ainsi, je vais vous écouter, il n'y a pas de souci. Oh là, qu'est-ce qui se passe? D'accord, il y a donc quelques hôtels qui sont éparpillés un petit peu partout, histoire de pouvoir récupérer sa vie. On va essayer de prier déjà, hein, et que Dieu bénisse l'Amérique, si je puis me permettre cette expression. Et tutti quanti, dans chaque film américain, il y a toujours un mec qui sort de nulle part, il sort entre deux arbres, il dit « Les gars, que Dieu bénisse l'Amérique », parce qu'il n'y a que l'Amérique. Bien évidemment, dans chaque film américain, l'Amérique, c'est la Terre, hein, c'est le monde, hein, vous l'aurez compris, c'est le centre du monde. Alors, si je fais croix, ça ne fait rien, si je fais rond, ça ne fait rien, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Faut l'escalader? Ah! Ah non, il faut juste faire R2. D'accord, donc pour se prosterner, il faut faire R2. J'ai récupéré l'intégralité de ma vie et la jauge d'endurance qui était jaune. Vous savez ce que ça me rappelle énormément? Je rappelle que c'est un remake d'un jeu sorti sur PlayStation 2, d'accord? Mais sur PlayStation 2, le fondement, le gameplay était bien évidemment identique. Ça me rappelle énormément Zelda Breath of the Wild. Et c'est peut-être pas pour rien étant donné que le créateur a avoué s'être inspiré de Shadow of the Colossus. Et ça se voit. Ça se voit et c'est une très bonne inspiration. Donc, j'avais pas compris comment fonctionnait l'épée avec le rayonnement. J'ai lu vos commentaires, vous étiez nombreux à m'avoir guidé. Grâce à vous, je le sais maintenant. Plus les rayons se concentrent, plus c'est la bonne direction. Tout simplement, mais les gars, c'est de la mise en pratique. Il faut savoir tout ça, les potes. Hein. Par contre, il y a un truc qui me stresse. Vous savez quoi? Étant donné qu'on est dans un let's play, qu'on est là pour découvrir, rien que regarder, rien que galoper dans les plaines, c'est un véritable bonheur, un véritable plaisir. Rien que pour les yeux, pour cet univers. Donc, on va retourner à l'arbre qu'on avait vu. On avait vu un grand arbre qui était. Qui a totalement disparu. Il a totalement disparu. Et apparemment, il y a des choses à faire près de cet arbre. Non, il est là-haut. Il est là-haut. On va voir si on peut le faire. On m'a dit que il y avait des fruits qui brillaient dans les arbres. Et si on les cassait, on pouvait augmenter sa jauge d'endurance ou de soin. Et ça, c'est plutôt cool. Donc, on va y retourner. On va y retourner. Parce que ça, c'est l'esprit sportif, hein, bien évidemment. Ça, c'est le sport, c'est ce qu'on apprécie. Ok, il n'était pas du tout par ici. Je me fais usurper. Mon cheval m'obéit pas des fois. Qu'est-ce que tu fais, Galo?
Qu'est-ce que tu fais? Agro, agro. Ouais, j'ai voulu l'appeler Gallo. Ah, c'est peut-être pour ça. C'est peut-être pour ça. Alors, apparemment, justement, d'ailleurs, le cheval n'obéira pas. C'était, d'après le créateur, pour donner une personnalité au cheval. Donc, des fois, il est possible qu'il ne m'obéisse pas durant l'aventure. Pas de panique néanmoins, les gars. J'ai toujours de la nourriture. J'ai de quoi le satisfaire entièrement. On va retourner là où le rayon se concentrait. C'est plus par là. Très très bien. On va y aller. Le jeu est tellement beau. Je rappelle qu'on est sur PS4 Pro. D'accord. Je sais pas s'il y a vraiment des différences. D'ailleurs, est-ce que le jeu est tout simplement optimisé PS4 Pro? Alors oui. Oui, oui, parce qu'on peut activer l'HDR. Et ah, mode graphique. Ok. Privilégier la fréquence d'image, donc 60 FPS. Privilégier la résolution, on s'en fout, on va rester en 1080. Et le mode cinématique, on va rester en FPS, hein, c'est ce qui nous intéresse le plus, les gars. Pas de chute de FPS, histoire que tout soit fluide et tout soit incroyable. Évidemment, comme chaque épisode, je vais vous conseiller le 1080p 60 FPS. Oh, on a quelque chose là. Ok, on a quelque chose. Est-ce que... J'ai pas de carreau, donc je ne peux pas le toucher, c'est ça? Si, j'ai un carreau. Ok. Ah, est-ce qu'on peut vraiment l'atteindre? Est-ce qu'on peut vraiment l'atteindre? Je crois qu'il panique. Je peux juste pas, je peux juste pas. J'arrive à gros. Désolé mon frérot, je t'ai fait un petit peu attendre. On prend notre temps, on essaye de découvrir des choses. Ah, je peux tirer depuis mon cheval. Oh putain, il est passé près. Qu'est-ce qu'il me veut? Qu'est-ce qu'il me veut? Je sais pas ce qu'il me veut. Mais tu es à moi! Allez, on se casse. On se casse, agro. Agro, ça ne me plaît pas beaucoup ce qui vient de se passer. Figure-toi que j'ai tiré 5 ou 6 carreaux en l'air. Totalement pour rien. Et c'est pas pour me déplaire. Ah, mais non. Ah, bah oui. Forcément, il faut que je récupère l'épée. Oh, je dois passer par ici. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est juste magnifique. Ok, donc le colosse est là-haut. Direction directe, le deuxième colosse. Seul début de jeu, il devrait pas être trop dur. J'espère que c'est un colosse qui a... qui est en appartement, si je peux me permettre, et qui a quelques balcons sur son dos. Parce que sinon, il va falloir aussi farmer, à mon avis, l'endurance. Et tutti quanti, si je peux me permettre. Attendez. Quelle est cette sombrerie? Waouh! C'est lui? Faut savoir que j'ai vraiment eu peur dans le premier épisode, les gars. C'était pas un running gag ou autre. J'ai vraiment flippé de l'ombre qui venait. Je n'étais pas prêt. Je jouais avec un casque et le son assez élevé pour être vraiment dans le jeu. Donc, croyez-moi que quand j'ai crié, c'est juste que j'ai eu peur et je ne m'entends pas spécialement. Ok, c'est tout en bas. Écoutez donc, regardez cette direction artistique et écoutez la musique, c'est vraiment sympa. Alors, on m'a dit de fermer ma gueule aussi dans les affrontements. Bon, les gars, va falloir que vous fassiez un effort aussi, parce que sinon je ferme ma gueule tout le temps, c'est ça que vous voulez? Vous voulez une aventure muette? Je peux le faire, hein. Vas-y, on y va, j'arrive, agro. J'arrive avec toi, mon frérot. Le jeu est... Oh, c'est tellement beau. C'est vide, mais c'est beau. Et c'est... c'est plaisant, en fait. On va y aller calmement, les amis. La nouvelle aventure arrivera entre l'épisode 2 et 3. Il y a eu un petit peu de retard, mais vous verrez, vous serez pas déçus de l'autre nouvelle aventure qui va arriver. Tout comme celle-ci, vous aurez vraiment de quoi... kiffer tout simplement vos soirées. Ok, il commence à faire très sombre. Je sens une perturbulence dans la force. Perturbulence, ça ne se dit probablement pas. Où est-il? D'accord, il est pas du tout par ici. Il est pas loin. Il est pas loin. Il est totalement là. Ok, je sais pas ce que ça va donner. Agro, s'il y a un colosse, tu cours, frérot, d'accord? Moi, je veux rien qui t'arrive. Ok. Ok, il arrive. Ah! Oh, il a une belle bouille celui-là. Oh, il a des balcons! C'est un colosse en appartement, j'adore! Oh, la musique, elle fait kiffer. La musique, elle fait kiffer. Ok, on va l'analyser. Il a l'air d'avoir des mouvements plutôt classiques. Oh oh oh, je vois quelque chose sous ses jambes. Je vois quelque chose sous ses jambes. Ok. On va aller derrière lui. Je vois quelque chose. Peut-être s'il va falloir le retourner, j'en ai aucune idée. Quoi qu'il en soit. Ah oui, on va devoir le retourner. Alors comment faire?
Comment faire? Il n'a pas de queue, je peux pas monter sur la queue. D'accord. Ok, on va essayer de shooter. C'est ça. C'est donc son point faible. C'est donc totalement son point faible. J'ai été incroyable. Peut-être un move de génie. Ok. C'est bon. Oh putain. Attends, ne dis pas que... Non, fais pas le con. Fais pas le con, Paolo. Je crois qu'il faut mon cheval. Agro, où t'es? Ok, j'arrive. Je crois qu'il faut totalement mon cheval. Agro, je tente un truc. Ok. Il va charger. Agro, cours! Cours, t'es long mort, Agro! On va aller derrière. Je pense qu'il faut mon cheval. On va tourner autour. Bon, c'est stylé ça. Foiré. Ok. Agro. Doucement, doucement. C'est peut-être pas ça qu'il faut faire. Oh, il est énervé, je crois. J'ai peut-être fait une boulette. Agro, cours! J'ai peut-être totalement fait une boulette! Oh, c'est mon deuxième colon, je suis pas prêt à tour de puissance! Hop, une petite roulade, ça c'est pour le spectacle, on apprécie. Qu'est-ce que tu fais? Agro! Fais pas le tour, tu m'as fait quoi? Ah, mais je peux peut-être escalader sur son ventre. Ok. On va essayer une dernière fois comme ça, cette technique américaine. Ah, c'est bon, j'ai. J'ai mon point d'accroche. J'ai totalement mon point d'accroche. On va pouvoir remonter. Il faut que j'arrive jusqu'à un balcon. Ah putain, d'accord. Si j'accélère, ça fait exactement comme, comme Zelda. Ok, c'est bon, on est debout, on est au calme. Bon, il va falloir localiser son point faible. Je peux en avoir vu. Ok. Est-ce que l'arrière-train? Non, y'a rien. Non, y'a rien, y'a totalement rien. C'est pas grave, on va faire ton tour. Il m'en voudra pas. Désolé mon poteau. Ça me fait mal de vous tuer à chaque fois, les gars. Sachez-le. Ok, on est parti. Pas monter. Sacré obstacle qu'on a là. Comment on peut faire? Contourner, vous croyez? Ça me paraît bien difficile cette histoire. Ah! Je reste accroché. C'est rien. C'est rien. Ah! C'est rien. Ok. Ok, c'est bon. C'est bien comme ça qu'il faut faire. Ok, c'est bien comme ça qu'il faut faire. Ok, on va se caler ici. On va s'accrocher, il va se secouer. Ok, c'est exactement ce qu'il faut faire. On est vraiment pas mal là. C'est énorme, regardez. Non, c'est trop stylé. Vraiment, j'adore. J'adore. Ok, on va tracer. Ah putain, c'est pas vrai. Fais pas le con, s'il te plaît. Il a l'air énervé là. Allez, 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 allez. Un coup. Un coup. Ah! C'est reparti pour une giclée incroyable! Oh, j'ai plus aucune maîtrise! Mais c'est un jet qu'on a là! Deux coups. Faut pas que je tombe, sinon ça serait chiant. On va essayer de récupérer dès qu'il arrête de se secouer. S'il te plaît, arrête de se secouer. Ok. On récupère. Trois coups. C'est pas mal du tout. On concentre son épée. On va y arriver. On va récupérer dès qu'il arrête de secouer encore une fois. Voilà. Ça, c'est beau, ça. C'est équivaut. Plus tu concentres ton coup, plus ça fait mal. Logique, vous allez me dire. Mais c'est pas évident, en fait, de savoir. Ok, on va récupérer encore. De savoir quand c'est le bon moment.
Voilà, il a encore touché, il a la moitié de sa vie. C'est pas mal, il était pas trop difficile celui-ci. Fallait juste trouver un moyen de monter dessus. Après il y a... Oh c'est plus le même, oh dur, coup dur. Son point faible a changé les gars. Son point faible a totalement changé. On va devoir partir, je ne le vois pas d'ici. Non c'est rien, c'est rien. Reste avec nous. Attention, on s'accroche. Il va se secouer. Je vois pas encore son point faible. Est-ce qu'il serait sous ses pattes? Donc ça c'est intéressant à savoir. Il peut changer de point faible. Ok. Ok j'ai. Il s'est retourné derrière son point faible. Très bien. Aïe aïe aïe, j'ai pas fait beaucoup de dégâts. Là c'est pas mal. Ok. Il est mort, il est KO. C'est notre deuxième colosse que nous avons là. Et c'est terminé pour lui. Non, ça... Oh, il avait une corne en moins en plus. Oh, ça me fait chier. Moi... Ah, ça m'embête quand même. Peut-être qu'ils sont méchants, mais ils ont pas l'air méchants. C'est triste quand même. Trophée obtenu, le mammouth. Normalement, l'ombre va s'emparer de moi, non? Oh non. Putain, c'est ça qui fait peur, c'est impressionnant. Réveiller le géant en colère fait trembler la terre. Alors là, il va être encore bien plus grand à mon avis. Ça risque d'être assez terrible. Ce deuxième colosse était très sympa. Il m'a bien plu. Donc on va faire le troisième en vidéo. Deux colosses en un, les gars. Eh, c'est cadeau, c'est moi qui régale. Donc, ok. Je vais essayer de voir le nombre de vitesses qu'a le cheval. Là, je suis en vitesse. Vitesse 1. J'ai appuyé qu'une fois sur triangle. On passe en vitesse 2, peut-être. Là, je suis en vitesse 2, ça me consomme toujours pas d'endurance. Ah non, si je... Ok. En fait, il fait juste une petite poussée. Et si je reste appuyé sur triangle, par contre, ça consomme de l'endurance. D'accord, il faudra observer tout ça. Il faut que j'apprenne à maîtriser mon cheval. Ok, on est parti, les amis, pour le troisième colosse qui a l'air de se trouver presque dans la même direction. On va aller par là-haut. On va s'arrêter de temps en temps, visiter des petits trucs. Je suis sûr que le corbeau, si je le touchais... Quelle est cette aura ? Quelle est cette aura là-haut? Il y a quelque chose à ramasser, vous croyez? J'ai envie d'aller voir. C'est là où j'ai tué un des colosses. On va aller voir. J'ai envie d'aller voir. C'est ma curiosité qui m'emmène là-haut. J'ai envie d'y retourner. Je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant. Je sais pas. Je pense réellement qu'il y a quelque chose d'intéressant là-haut. On va y aller calmement, les gars. De toute façon, on n'a rien à perdre. Mais au moins, on sera fixé. Et s'il y a quelque chose là-haut, il faudrait retourner là où on a tué le premier colosse. Ça serait peut-être cool. Non mais c'est impressionnant les gars, je trouve les graphismes, vraiment. Vraiment impressionné. Ok, est-ce qu'on a quelque chose? C'était par ici. C'était totalement par ici, c'était pas là. C'était là. Vu qu'il a ouvert une grotte. Ça serait compliqué. Oh, il y a bien quelque chose. Quelle est cette sombrerie? Qu'est-ce que j'ai ramassé? J'ai aucune idée de ce que j'ai pu ramasser sur le coup. Ça ne m'a rien dit. Ça n'a rien indiqué. Agro. Très bien. Oh, il l'appelle! Agro! Ok, on est parti.
Très bien, j'ai ramassé, on a ramassé un truc. Donc on n'a pas fait ça en vain. Mais alors qu'est-ce qu'on a ramassé? J'en ai aucune fichue idée. Je pense qu'il va falloir passer à l'extérieur maintenant. Là par contre, si en commentaire vous savez, ça brillait, je ne sais pas c'est quoi. Si vous savez, n'hésitez pas à me le dire les gars. Ça ne mange pas de pain. Là c'est pas un spoil puisqu'on l'a ramassé. Donc c'est plutôt positif sur le coup. On est parti, ah très bien. Donc on va retourner dans la plaine. On va affronter un colosse qui à mon avis est bien plus grand que les deux qu'on a eu. Je pense qu'il est donc sur deux pieds, deux jambes. Voilà, sous les pieds, bon, pour un colosse, je sais pas si on peut vraiment dire pied. Je pense qu'il est sur deux jambes. Et je pense que... Attends, aggro, stop! Waouh, putain, chaque fois tu m'emmènes tellement loin, frère. Là, faut vraiment que j'apprenne à descendre du cheval calmement. Ça, c'est terrible. Je suis désolé, les gars. J'ai encore... j'ai pas une maîtrise totale. Ok, on est... Je crois qu'on est exactement dans la bonne direction. Si je ne m'abuse. On est dans la bonne direction, très bien. Ok. C'est par ici. Par ici. Oh là là, mais ces contrées, elles sont gigantesques, c'est sympa. C'est sympa, sympa. Donc, comme je vous disais, nouvelle aventure entre l'épisode 2 et 3, c'est-à-dire demain, vous l'aurez compris au moment où vous regardez cette vidéo. Sauf si vous la regardez un autre jour que le jour de son lancement, bah l'aventure est déjà sortie. Enjaillez-vous, merci évidemment. Ça fait longtemps que j'ai perdu cette habitude, mais merci infiniment à tous ceux qui mettent des likes. Et tutti quanti, si je peux me permettre, des commentaires aussi. Merci à vous, vous êtes incroyables. C'est grâce à vous que ça motive à créer des aventures toutes plus extraordinaires les unes que les autres. J'ai cru voir quelque chose dedans. Si je ne m'abuse. Aggro, attends-moi ici, frérot. J'ai pensé à une sombrerie. D'accord. C'est juste un petit effet de lumière, on apprécie. Alors, c'est par où? Aggro, j'arrive. Dis-moi tout, mon frérot. Allez, tourne à droite, aggro. On a un petit peu du mal, c'est normal. Toi et moi, c'est le début d'une longue aventure, hein, aggro. Allez, on est parti. Ok, c'est par ici. Allez, fonce. Mon cheval préféré. Oh, 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 stop. Stop, stop, stop. Quelle est cette sombrerie? Ok, aggro, attends-moi là, s'il te plaît. On a un arbre. On m'a dit d'observer les arbres. Et que s'il y avait quelque chose qui brillait, il fallait avec mon arc tirer sur les fruits. Et il n'y a pas de fruits. Il n'y a totalement pas de fruits. Bon, c'est pas grave, hein, les gars, hein. Prochain arbre, hein, sûrement. Hein. On peut pas avoir des fruits à tous les coups. Attendez, je regarde encore un petit peu quand même. Non, il n'y a pas de fruits. Donc l'arc l'arc est bien plus utile que prévu. Ah non, c'est ça le titan. C'est ça le colosse, pardon. Vous croyez que c'est cette plateforme? Moi, je pense que c'est cette plateforme. Un colosse géant. Je pense que c'est peut-être une tortue. Je pense qu'ils représentent tous un animal. Oh, on peut nager. Excellent. Bien joué. Je peux me faire attaquer dans l'eau? Je peux plonger ou pas? Beaucoup de questions encore, hein. Oh, on peut plonger! Incroyable! Ok, bon. Apparemment, il n'y a pas grand-chose dans l'eau. Mais on peut plonger, c'est bon à savoir. Est-ce qu'on peut accélérer? Non. Non, on ne peut pas accélérer. J'essaye les touches, hein, les gars. Il n'y a pas vraiment de tuto, il n'y a rien qui nous explique le fonctionnement du gameplay. Tout se découvre. C'est ça aussi une aventure, les amis. C'est savoir découvrir par soi-même. Oh, trop bien, je suis mouillé. Ça peut paraître con, mais les gars, c'est le petit plaisir. J'adore être mouillé. J'adore l'eau. Ok, on est parti. Je pense que c'est lui, hein, le colosse. Hein. Il est juste énorme. Comment je peux faire? Comment je peux faire? Escalade, vous croyez? Totalement. Ok. Impeccable. Comment on va faire maintenant? Donc, il y a des petites phases d'escalade. Ça me fait plaisir aussi. Il n'y a pas que des colosses à escalader. J'ai très très peur. Je vais pas vous cacher que... Les gars, matez les paysages. Non, vraiment. Matez les paysages, c'est somptueux les mecs. Ok. On est parti. On va pouvoir monter. Oh oui. Oh, tombe pas mec. Alors, vous êtes très nombreux à dire
Waouh, ça ressemble énormément à The Last Guardian. Et vous n'avez pas tort, hein, pour ceux qui sont d'une année récente et qui n'ont pas connu Ico et Shadow of the Colossus, c'est tout simplement la même team qui fait les jeux. Ok, donc le colosse se trouve sur une plateforme au-dessus de l'eau. Il est énorme. Il est totalement énorme. Ok. Qu'est-ce que c'est? Je crois que je dois monter sur son bras. Je crois que je dois monter sur son bras. On va attendre qu'il fasse quelque chose. Regardez comment il est énorme. C'est impressionnant. Ok, il va m'attaquer. Il va m'attaquer. Waouh. Ok. Non, reste accroché. C'est bon, je suis accroché. Je suis totalement accroché. Ah, je suis où? Où je suis? D'où Jésus? Waouh. C'est rien, j'ai fait bugger un petit peu. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est cette... Ah, ce problème de caméra, fort embêtant. En même temps, c'était peut-être pas prévu que... Ok, on va se stopper. Waouh. Accroche-toi. Accroche-toi, on va remonter calmement. Pas évident, hein. Pas évident. C'est une sombrerie qu'on a là. J'arrive pas à monter, j'arrive plus à monter. Waouh! Putain, je vais. On va tomber. C'est critique, c'est craignos. Ok, on va récupérer. Sors l'épée! Voilà. Bon. Je vois pas trop quoi faire là, je sais. On peut observer ses yeux. Non! Ce monde de merde! Ok. Les gars, c'est des allumettes, ces jambes! Ok, j'ai foiré, mais on a compris le principe, les gars. On a compris le système. Il faut qu'il m'attaque, donc. Attaque-moi, Bobby, je suis là. Vas-y, viens, non? C'est bon, il a compris. Allez, viens, je suis là, mon pote. Tu peux y arriver, hein. Fais demi-tour. Je sais que c'est encombrant, t'es quand même assez grand. Je peux comprendre parfaitement. Je peux aller sur son bras. Clairement, son point faible, c'est la tête, hein, je pense, au début. Allez, attaque-moi. C'est tellement impressionnant. Tellement impressionnant. C'est énorme. Son armure semble fragile, fais-le tomber pour le briser. Ouais. Oh. Fais-le tomber, t'es mignon. T'es mignon. Oh, oh, c'est une nouvelle attaque, ça. Oh, c'est totalement une nouvelle attaque. Ça, c'est nouveau dans le système. Ok. Je pense vraiment qu'il faut que je monte là-dessus et que j'arrive à sauter sur ses jambes. Et ça, c'est... Ah, c'est parce que je suis près de lui. Ok, c'est parce que je suis près de lui. Tiens, dans ton œil. Tiens, la foutre dans ta gueule. Ça, putain, ça m'a l'air compliqué. Hein, cette... Ah, mon dos! C'est rien. Je suis vivant. Toujours vivant, assurément. Ah! C'est le bordel là. Ok, yes! Ça, c'est bon, ça! Alors, par contre, là, je ne comprends pas. Alors là, je me suis mis dans une galère. Que quelqu'un me protège. Ok. On va récupérer. Et peut-être attaquer comme ça. Ah. C'est... Putain, c'est compliqué, hein. C'est totalement compliqué, cette histoire. Non! Non! Oh, mais ma vie est nulle! C'est pas vrai. Je vois pas là. Son armure semble fragile. Même lui, il a l'air de s'énerver, frère. T'as fait couille? Sur un malentendu? Non, mais j'ai bien compris qu'il montait là-dessus. Mais...
c'est bien compliqué ça. Non ! J'y arriverai pas. J'y arriverai pas, hein. C'est bien compliqué là. Ok. Magnifique le jeu. En fait, c'est ça, il vient de se faire mal là, non? Mais oui! Mais c'était ça! Ah, mais. Mais c'était totalement ça! Il s'est fait mal là! Il fallait juste qu'il casse en fait le sol. Mais oui, mais. Putain, ça faut le. Ah ouais, faut le comprendre. Je vous avoue que ce mécanisme ne m'était pas passé par la tête du tout. Ça m'a coûté cher en vie. Ça m'a coûté cher en vie. C'est pas grave, qu'à ça me tienne. Ok. Allez, allez, allez. C'est là, c'est impressionnant le jeu. Ok, c'est bon, je suis sur son front. Ça s'agite là. Ça s'agite très rapidement. Ok. Ça s'agite aussi. Hop, voilà. Non! Ah, arrête! Se coupe à la tête! Aïe! Aïe! Ok. Mais c'est pas vrai! C'est compliqué, oh! Ça, c'est un coup critique. Ça, c'est un putain de coup critique et ça fait plaisir. C'est pas fini, mon pote. J'en ai pas fini avec toi. C'est pas fini, mon pote. J'en ai pas fini avec toi. J'en ai toujours pas fini, putain! T'as la moitié de ta vie, tu vas encore souffrir, mon gars. Ok, c'est pas fini, mon pote. Ah! Oh, je crois que son point faible disparaît là, non? Ok, j'ai pu récupérer calmement mon endurance. Allez, maintenant que j'ai réussi à trouver ton point faible. Allez, c'est pas fini, mon gars. C'est toujours pas fini. Ah, ça fait mal au crâne, hein? Oh, tu prends ce que tu... Oh putain, ça, par contre, ça c'est petit. Ça c'est craignos. Ça c'est totalement craignos, d'accord? Parce que maintenant il a un nouveau point faible. Mais alors, va le trouver. Va trouver son nouveau point faible. Moi je pense qu'il est... Ah, je suis sur son épaule. Tel un Pokémon. Waouh! Ok. Va trouver son nouveau point faible. Calme-toi, calme-toi, Jean-José. Aïe! Ah, ma vie est nulle! Laissez-moi tranquille! Il est là, son point faible, bide! Allez, mon pote! Je suis désolé, c'est fini pour toi! On aura fait deux colosses dans cette vidéo et ça, c'est incroyable! Oh, il se défend bien, hein! Il se défend bien, celui-là! C'est un grand gaillard! Aïe, 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 je suis désolé, gros, je te perce les abdos! Contracte! Contracte, tu sentiras rien, ça va être rapide! Comme si, c'est incroyable, cette souffrance qu'on leur inflige! À ces ombres qui s'emparent de pierre! Allez, c'est terminé le dernier coup. Et il est terminé, les amis. GG. On a eu... Alors, ce colosse était vraiment pas évident. Ce colosse était réellement pas évident. Mais on s'en est occupé. GG, on repart à la caisse départ, le chevalier endormi.
Mordo Amorizo. Andrew Moors. You drink your island. Ne vous laissez pas impressionner par son gigantisme. Ça veut dire qu'il est encore plus grand que celui qu'on vient d'affronter. Ok, les mécaniques commencent à rentrer, les amis. Donc en gros, son armure est faible. Et en tapant le sol, à force de taper le sol, il s'affaiblissait tout seul jusqu'à le briser. Voilà, il faut comprendre tout ça, il faut savoir tout ça, il faut le vivre une fois pour vraiment comprendre la chose. Donc petit à petit, je commence à rentrer certaines situations. Et ça l'a bien fait, j'ai adoré cet épisode 2. Franchement, les deux colosses qu'on vient d'affronter, incroyable, vraiment. Je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire, ça fait toujours extrêmement plaisir, vous vous en doutez. Il nous reste 13 colosses, on en a fait 3 en 2 épisodes. C'est plutôt pas trop mal, mais on va continuer sur cette lancée. À très bientôt tout le monde, portez-vous bien. Bisous, bisous, ciao, ciao.